Ça fait longtemps. Effectivement, on a fait la petite année avec l'histoire de passer l'examen là. Il y a un peu beaucoup de choses à faire, donc j'ai un peu du mal à venir en rendre visite là-bas. C'est un peu difficile. Ah, ben sinon, à part ça, ça va. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça fait de cela au moins déjà un mois ou un mois et quelques. Si vous avez, c'est un peu de me raconter l'histoire que je ne passe pas de bonne nuit. Mm-hmm. J'ai fait de mauvais rêves. Et la dernière fois, j'étais chez toi là-bas. Tu m'as fait un bain. Mm-hmm. Et après ce bain-là, malheureusement, les mêmes mauvais rêves que j'ai fait reviennent toujours. Les rêves ne cessent pas. J'ai du mal à dormir, je ne trouve pas la paix, c'est difficile. Ah, donc, le mot que je peux faire une fois là n'a aucun effet. Oui, tonton, ça n'a aucun effet, puisque je fais tout le même. Ah, ça, je ne sais pas comment résoudre le problème là. Parce que moi, j'ai pu faire tout ce qui était à mon pouvoir. Mais moi, généralement, quand mes patients sont confrontés à ce genre de situation là, c'est le même rituel que j'adopte. Bon, chez toi, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est quoi dire, tonton? C'est quoi dire? Je ne sais pas. Je peux te proposer de repartir à l'église. Hein? Parce qu'il n'y a pas longtemps, le confrère m'a appelé. Il m'a dit que le Seigneur les a visités. Sa femme, là, qui n'enfantait pas là. Oui, oui, tonton. Curieusement, elle est enceinte. Ah, ça. Et j'aimerais me rendre là-bas pour voir ça à la visu. Parce que pour quelqu'un qui a fait autant d'années sans enfanter, mais c'est quand même incroyable. Parce que nous, généralement, on sait que pour avoir un enfant, il faut l'initiation, il faut manger bois sacré, il faut les cérémonies. Mais eux, ils n'ont rien fait. D'ailleurs, ils ne sont même pas partis vers la personne que je leur ai conseillé. Je te conseille plutôt de te rendre voir. De rentrer à l'église, essayer un peu de rencontrer un homme de Dieu, hein, pour qu'il ait prié pour toi, parce que c'est une situation où je suis dépassé, je ne sais pas comment résoudre ça. En tout cas, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir. Hein. Hein? Oui, tonton. Ah, il faut vraiment faire un effort. D'ailleurs, tu as commencé à l'église, non? Oui, tonton. Oui, oui. Bon, vous savez, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un peu compliqué. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi ces esprits-là se comportent comme ça. Et pourtant, je leur ai fait les offrandes après ton départ. Voilà, je leur ai sacrifié des animaux. Voilà, pour qu'ils cessent de te poursuivre dans les rêves. Mais si tu me dis que tu n'arrives plus à dormir, malgré tous les sacrifices que j'ai faits, malgré tous les bains que j'ai faits, bon, moi je ne sais pas comment ils font qu'on fait. Il faut que tu te rendes à l'église pour voir si on peut t'aider de ce côté-là. Parce que de toutes les façons, moi je veux ton bien. Oui, tu es le seul enfant que on m'a laissé, donc je n'ai pas envie de te perdre. Ok. Hein? Donc il faut vraiment essayer cette solution-là. Voilà. Bon, okay. Moi je ne crois pas trop, mais les gens disent que ça marche. Hein? Ok, donc tu parles de quoi là? Moi je ne sais pas comment, par quelle magie, la forme de mon grand frère est tombé enceinte. Mais je crois qu'il doit peut-être avoir quelque chose, hein? Une autre puissance, hein? En dehors de la puissance que j'évoque. Quand j'ai été enceinte, c'est que c'est compliqué. Donc, mieux vaut le regarder de ce côté-là. C'est ok, tonton. Hein? Pas de problème. Donc, okay. il faut partir. Hein? Ok. Donc, tu sais, peut-être, tu vas trouver la solution. Ok, tonton. Moi, je rentre un peu à la maison. Oh, pas de problème. Je termine le travail. Ok. Toi aussi, il faut bien faire l'école. Mmh. Hein? Oui, papa. Voilà. Parce que dans nos sociétés actuelles, les médicaments ne payent plus. Les consultations, le charlatanisme ne payent plus. Oui, tonton. Tu comprends? Ok, tonton. Voilà.
vois, moi je suis charlatan, mais je travaille. Que t'as fait? J'enseigne parce que là-bas, quand il n'y a pas de clients, quand il n'y a pas de billets, c'est compliqué. Effectivement. C'est la fonction publique qui nous a bien plu. Oui. Donc nous aussi, malgré qu'on est dedans là, il faut aussi faire l'école. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement que de l'éveiller. On ne paye pas toujours. Moi je bois sacré, mais parfois je me suis fatigué. Je cherche même à manger. Si je ne faisais même pas le travail là, ça devait être dur pour moi. Parce que des moments où il n'y a pas les clients. Hein? Oui, là. Donc, bien chose, hein? Ok, tata, merci beaucoup. On est ensemble. Ok, merci, tata. Oh.